Norman McLaren, c'est un artiste qui a principalement travaillé au cinéma, mais qui est un artiste qui a la fibre multidisciplinaire d'une certaine façon. Chacun des films de Norman McLaren était différent. Il se réinventait à chaque fois. Il trouvait de nouvelles techniques. Alors c'est sûr que Victor Pilon et moi, nous sommes des héritiers directs, en fait, de l'œuvre de Norman McLaren. Et Norman McLaren était un héritier direct de Méliès, par exemple. Va être un montage d'extraits de films et tout ça va être incarné par un performeur, c'est un spectacle solo, un danseur de formation. C'est un peu une histoire très autobiographique en fait, c'est l'histoire d'un artiste qui veut faire un spectacle sur Norman McLaren, qui fait une recherche et qui, au cours du spectacle, en fait, fait une espèce de voyage dans la mémoire, dans sa propre mémoire, une espèce de voyage mnémonique pour revisiter toute la recherche qu'il a fait. Se retrouver dans ce voyage mnémonique tenu en fait par notre performeur, et on va se retrouver vraiment au centre des films de Norman McLaren qui seront projetés quelquefois sur des écrans d'une façon un peu plus traditionnelle parce que c'est quand même du cinéma. Alors certains films vont être projetés sur écran, mais la plupart en fait des films vont être projetés dans l'espace autour du performeur qui va interagir directement avec les films. De la danse classique à la danse contemporaine, à la performance. Donc, on a vraiment un spectacle qui va intégrer les arts de la scène, le théâtre, la danse et le cinéma. Dire des choses quelquefois très sérieuses, mais avec toujours cet élément de jeu, cet élément ludique qui va faire que les spectateurs vont d'abord être émerveillés et être ravis, vont d'abord sourire pour par la suite être plus profondément touchés. Thank you.
Et pourquoi un spectacle sur Norman McLaren? En fait, c'est parce que c'est un artiste qui nous allume tellement qu'on a le goût de partager, en fait, cette passion qu'on a pour cet artiste. Et on a le goût d'allumer les spectateurs, d'allumer leur imaginaire.